Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un retour de course. J'avais pas grand chose à acheter, mais voilà, pour des questions de budget, j'ai été chez Leclerc. Et comme vous savez, d'habitude, il y a des choses que j'achète en double ou voire en triple pour avoir de l'avance. Sauf que bah malheureusement, comme je vous disais, question de budget, on a fait vraiment serré. Jusqu'à la fin du mois, on a acheté qu'en un exemplaire. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vous montre ça comme ça vient devant moi. J'ai repris du thé. Voilà, parce que je commence à être à court, j'ai que de la verveine. J'ai pas envie de dormir trop non plus. Donc voilà, j'ai repris du thé au caramel, il est super bon. On a repris la pâté du roux. Voilà, en petit format. De la confiture de fraises. J'ai envie de confiture. De la macédoine. Des pavés de saumon. Des pains au chocolat surgelé qu'il faut que je m'empresse de mettre au congélateur. De la crème. Des viennoiseries. Voilà, il y avait une offre. 10 pains au chocolat et 10 croissants. Donc j'ai sauté dessus. Il n'y a plus rien pour déjeuner. Donc ça dépannera bien. J'ai vu ça. Pareil. Il faut que je fasse attention que ça tombe pas. Au rayon viennoiserie, c'est des petits pains aux fruits confits. Enfin, fruits confits. Vous savez, tout ce qui est cranberries, raisins secs, avec des graines, ça a l'air trop bon. Donc ça, je me suis pris ça pour le petit déj. On revient au chat des friandises. Du coup, on a au poulet, au fromage et au saumon. Des œufs. Voilà, 20 œufs. De poules élevées au sol, du beurre pâtissier, du chocolat noir pâtissier, 500 g de riz, 3 poivrons, 2 carottes, voilà, vous les voyez pas, mais je vous dis ce que c'est, carottes, des tomates, des knackis végétales par 10. Des nuggets VG par 10. Voilà. D'habitude, je prends ce genre de truc par deux, mais là, voilà. Pas un. Des steaks VG au poivre. Enfin, des steaks. Des hachés VG, puisque ce ne sont pas des steaks. Des paupiètes de porc. Du nectar multifruits. Donc, au total, j'en ai eu pour 51 euros. Et des poussières, je vous mettrai le prix ici, je ne sais plus. Voilà, j'ai vraiment acheté en fait que le nécessaire. Donc voilà, on avait un budget restreint et on l'a plutôt bien respecté, donc ça l'a fait. J'espère que ce petit retour de course du coup vous aura plu. On n'hésite pas, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!